Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrok est en possession des derniers journaux de Bragbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok et Ranrok étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrok est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrok est en possession des journaux de Bragbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Bragbor. Il tenait des journaux? Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayons de contenir. Malheureusement, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai bien peur que vous ayez raison. La situation est loin d'être idéale, mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Bakar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille, quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Ah, vous êtes là. Vous reconnaissez cette tête sculptée? On dirait un grappe-corn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un grappe-corn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de grappe-corn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Je devrais regarder ça de plus près.
Une table d'astronomie. Elle sera utile une fois la nuit tombée. Revelio. Je dois être au bon endroit. Revelio. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Il va falloir que tu m'aides. Ton énergie pour plus tard, mon ami. Les braconniers ? Voyons si le Seigneur des Rives apprécie leur présence dans la région. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Je crois que j'ai besoin de retour. Je perds la tête.
si on accélérait un peu? Si on la nourrit. Hors de mon chemin! Comme un agneau, tu as libéré Nora de Gwen, hein? Revelio. Le professeur Rackham a eu raison de vous faire confiance. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Bakar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Revelio. C'est moi, Isidora. Isidora ? Monsieur Morganac ? Zan, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres.
aller dans votre salle commune, d'accord ? Qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus! Elle est en vie. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora, c'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volées. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrok. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrok ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander ? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement
en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrok. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrok compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai avec moi. Ah, mince. C'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrok sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose.
Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Regretter de ne pas être. Je vais le vieux saut. Je vous ferai la. Confringo. Regarde. Expelliarmus. Confringo. Maintenant, c'est personnel. L'homme. Tu aurais dû me rejoindre. Rebellion. Avantage des endroits. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Confringo, Expelliarmus. Confringo. Personne ne regrettera une guerre. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Revelio. J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. J'aurai un travail normal. Revelio. Revelio.
Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric ! Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rockwood en personne ? Il a détruit de nombreuses vies et il n'allait pas s'arrêter. Tant mieux si j'ai pu nous en débarrasser. Vous avez raison, il n'aurait jamais arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte-au loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Revelio. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte... J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Être bien loin. Nous avons connu pire, professeur.
presque sans compte. Ranrok ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Dumont. Écoutez, d'autres gobelins. Un humain de moins. Qu'avons-nous? C'est l'élève. Et Zipindo. Expelliarmus. Je ne m'arrête pas. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Je ne peux pas vous arrêter. Expelliarmus. Ça va mal venir pour toi. Réveillon. Je vais mourir sans terre. Expelliarmus. Difindo. Contre l'arbre. Stupéfice. Bien fait de ton mieux. Confringo. Expelliarmus. C'est toi qui sais. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Arrête ces souffles. Expelliarmus. Rebellion. Pour l'instant, ce tunnel ne joue pas en notre faveur. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici. À traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons bien s'occuper d'eux. Ah, ah. Ils tiendront. Ces créatures qui commandent. Vous arrivez à point nommé, professeur Eckhart. Merci. C'est gentil à toi de passer. Incendio. Le plan de Ranrok n'aboutira pas. Confrigue. Expelliarmus. Incendio, Defendo. Defendo. Attention, un autre troll. C'est encore pire que les deux derniers. Il faut l'arrêter. Expelliarmus, Confringo. Incendio. Defendo. J'ai perdu tout ça par les mots. Confringo, Expelliarmus. Sans ordre.
Nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire? J'ai décidé d'ouvrir le dépôt. Son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus. Même après tout ce que vous avez vu, la fin d'Isidora. Non. Vous avez raison. Je n'ai pas oublié. C'est bien trop risqué. Il vaut peut-être mieux que cette magie soit contenue. Je suis soulagé de l'entendre. Je sais que le pouvoir est attirant, mais je suis heureux que vous ayez décidé de le tenir enfermé. Et bien que ce soit peut-être la bonne décision pour l'instant, j'ai bien réfléchi... Oui, professeur ? J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Je prévois de le garder ici pour l'instant. Mais une fois que le dépôt sera sécurisé, je compte tout raconter au professeur Weasley et aux autres, et accepter leur aide. Je crois que c'est ce qu'aurait voulu Myriam. Nous devons faire confiance aux autres.
Si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien vous. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien, elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. À ces traces de magie. Spelliarmus. Kifindo. Confringo. Je dois briser le lien qui unit à ces traces de magie. Protego. Stupéfice. Confringo. C'est le lien qui l'unit à ces traces de magie. Protego, Stupéfix. Confringo, Expelliarmus, Kifindo. Je dois briser le lien qui l'unit à ces traces de magie. Confringo, Expelliarmus. Kifindo. Expelliarmus,
Je dois briser le lien qui l'unit à ces traces de magie. Expecto, stupéfixe. Je dois briser le lien qui l'unit à ces traces de magie. Ringo!
ne me priveras jamais de ce pouvoir. Jamais. Expelliarmus, Confringo. Confringo. Le professeur Éléazar Figg. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un
un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu, souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Oui. Le professeur Fig représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Fig, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Ô professeur Fig, j'arrive pas à croire que nous avons perdu Fig. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Fig. On se souviendra de lui, en bien. La même chose aurait dû être faite pour mon oncle. J'espère que Anne acceptera de me voir. Sébastien, je ne peux pas imaginer ce que toi et Anne traversaient. Peut-être que tu auras bientôt de ses nouvelles. Je l'espère, et je te le ferai savoir. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rockwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rockwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rockwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rockwood s'est allié à Ranrock, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rockwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrock. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rockwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. Au sujet de ce qu'il s'est passé dans les catacombes, je n'arrête pas d'y penser. On pourrait peut-être se voir bientôt. J'ai beaucoup à te dire.